N'oubliez pas le petit Nyama pouce bleu et le commentaire Team Nyamanguru pour faire partie de notre communauté. Bon visionnage. Salut à tous, c'est Tsuko et c'est les Rwandais de la folie! Bande de Nyamanguru, un coup de vent, un coup de vent! Bon, du coup, aujourd'hui, tout simplement, on va donner 100 euros aux personnes, les gens qui me font rire. S'ils me font rire, je donne 100 euros, c'est tout. On est clair, simple, honnête, Nyama. Nyama 100 euros. Vidéo YouTube. Ouais. Chacun de vous me dit une blague. Okay. Si la blague me fait rire, ouais, je vous donne vraiment 100 euros. Ouais. Sérieux! Okay. Mais comme du coup, vous êtes deux, 50 chacun. Par contre, si vous perdez, vous perdez, c'est tout. Voilà. Ah ouais, une blague chacun. Oh putain, chaud, mais ouais, nous les blagues. Ah, franchement, franchement, une blague ou une petite histoire. Vas-y, c'est parti. Ok. Alors, une blague un peu limite, hein. Quelle est la différence entre un juif et une part de pizza? Un juif et une part de pizza? Elle est horrible. Hein. Je sais pas, dis-moi. On n'a jamais vu une part de pizza gratter à la porte du four. C'est méchant ça. Participer, mais là j'ai pas de blague. Ah, non, dommage. C'est dommage, c'est bon. Ah, tu me fous le con là, j'aurais pas de blague. Qu'est-ce qui est sur la carotte et qui est invisible? Qui sent la carotte et qui est pas invisible? Je sais pas. Un pet de lapin. C'est bon, bah c'est bon. C'est fini. Ok, voilà. Vas-y. Une blague chacun, une blague chacun. Ah, moi je sais pas, j'ai pas de blague donc je le laisse. Une blague, non, même une petite histoire, une petite histoire. Okay, moi j'ai une blague. Moi j'ai une blague. L'autre jour, il y a mon petit frère. Toi, c'est mon petit frère. Et genre, tu peux rigoler, hein. Il a rigolé. Non, non, parce que là, parce que non. C'est l'histoire d'un mec qui a pas compris une blague qu'on lui a racontée. Ok, vas-y. Vas-y, je t'écoute, vas-y, vas-y. C'est un mec, il se balade comme ça, et puis il parle avec un mec, et il dit ouais. Et l'autre, il fait ouais, j'ai pas, genre, l'autre jour, j'étais avec le charpentier, et je vais parler de toi. Et l'autre, tu fais ah bon, de moi? Sérieux, trop bien. Et en fait, non, non, pas de toi, de toi. De oui, t'es. Alors le mec, est-ce que tu comprends? C'est de ma blague. Non, non, mais arrête, 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 arrête. Non, 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 non. Commence vraiment la blague. Prends-moi la blague, vas-y, vas-y, la blague. En fait, à mon petit frère, je lui dis, dessine-moi un animal. Il vient me dessiner un point. Je lui dis, c'est quoi? Il m'a dit, c'est un éléphant qui vient de loin. Bof. Très bonne blague. Très bonne blague. Y a un gars qui rentre dans un café. Ouais. Dans un café, ouais. Et il dit, salut, c'est moi. Ouais. En fait, c'était pas lui. C'est quoi en fait la blague? Bah, c'était pas lui, quoi. C'est dommage. Dommage, monsieur, dommage. Fallait me chercher, monsieur, là. C'est pas cette blague, monsieur, s'il vous plaît. C'est une bonne blague. Monsieur, non, c'est nul, monsieur. Nul. Très, très bonne blague. Non, monsieur. Bon, elle, on va dire qu'elle a rigolé derrière. Mais bon, voilà. La vanne, il est trop content, genre il a appris une nouvelle vanne, elle est énorme, genre dans sa tête c'est trop drôle. Du coup genre il rentre au travail comme ça, il travaille, il se fait chier, bon. Et là il va voir son patron. C'est horrible. Ah c'est horrible quand même, ah, c'est méchant ça quand même. Horrible. Hein. Je vous conseille de pas la mettre. Oh, c'est méchant ça quand même, c'est méchant quand même. Alors, c'est une petite fille qui est sur la balançoire. Ok d'accord, balançoire, ok. Et elle tombe. Elle tombe. Pourquoi elle tombe de la balançoire? Parce que c'est trop rapide. Parce qu'elle a pas de bras. D'accord, c'est quoi la blague en fait? Pourquoi? Bah elle a pas de bras, du coup elle tombe, c'est très sportif. Moi ça me fait beaucoup rire. En fait, quelqu'un il marchait dans la rue. Ouais. Et il a jamais fait miroir. Miroir, miroir. Ouais, ok, miroir, ouais. Marché. Ouais. Après, il a trouvé le miroir. Ouais. Il a vu, il a regardé. Il a dit, oui je le connais. Lui. Ouais. Bah c'est quoi la blague? D'accord, ok. Dommage, hein, parce que là. Okay. Moi, je la trouve géniale, ma blague. Je m'en fous des 100 balles, je la trouve super. Ok. Franchement, elle fait marrer. C'est quand même un truc un peu bloqué quand même, non, son bras quand même, non, ça peut bloquer. C'est numéro noir, faut aimer le numéro noir. C'est parti. Une blague, une chance, 100 euros. C'est parti, let's go, nia ma nia ma. C'est un papé qui saute dans l'eau. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai papé. C'est nul. Oui. Ouais, c'est nul, monsieur, là. Ah. C'est nul, là. Ah bah. C'est quoi? Deuxième chance, allez. Alors putain. À toi. Mais moi j'ai pas, désolé. C'est pas une blague. C'est 100 balles, essaye. 100 balles pour 100 balles, une petite blague. J'ai pas, je lui donne la chance à lui. Parce que moi j'ai pas. Donne une petite histoire que t'es arrivé, qui est marrant, je sais pas, une petite histoire. Une histoire qui m'est arrivée, qui n'y a pas, n'y a pas. Vas-y, du coup, une blague, c'est parti, 100 euros, ça vaut le coup. Pour 100 euros, une blague, c'est parti, go. Alors, petite blague, ça m'a réfléchi à 2 minutes. Vas-y, au calme, prends pas ton temps. Ouais, c'est bon, j'en ai. Ouais, vas-y. Alors, pourquoi les crocos finissent en prison? C'est le ciel. Tu sais ou pas? Non, je sais pas. Parce que les crocodiles.
Non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah, salut, hein, du coup. Ça va? Merde, non, bah. On dit 50, 50, pas 100 quand même. 50, tu joues. Non, franchement, il a réussi. Franchement, 100, allez, tiens, 100. Allez, merci beaucoup. Vas-y, bien joué, bien joué. Je dis, monsieur, j'ai une blague à vous raconter et tout, elle est super drôle. Et il dit, j'ai été. J'ai vu le charpentier, donc il parle à son patron, il dit, j'ai vu le charpentier, il m'a parlé de vous. D'accord, ok. C'est long, hein. Ouais, c'est long. Qu'est-ce qu'un hindou qui rentre dans une pharmacie? Je sais pas, c'est quoi? Un doliprane. C'est nul encore. Alors... Ah, monsieur, bon, c'est vraiment nul, là. Ça la fin. Ça la fin, donc je dis bon. Est-ce que t'as compris? Moi, j'ai compris. Moi, je sais pas, du coup, c'est quoi, en fait? Parce que j'ai pas compris. Avec un toit, en fait, j'ai pas compris. Mais en fait, la vanne, c'est un jeu de mots sur toi. Oui, j'ai compris, le toit, oui. Et du coup, il est con parce qu'il répète la vanne à son patron et dit vous. Ah, parce que toi. Bon, bah, dommage, hein. 10 balles. Non, parce que non, ça compte pas parce que. Non, c'est la blague, elle va commencer. La blague, elle va commencer, c'est bon. En tout cas, bande de Yamangourou, merci d'avoir visionné la vidéo. Malheureusement, j'ai perdu les 100 euros, mais c'est pas grave. Au moins, ça valait le coup, c'est une bonne vidéo. Donc, franchement, mettez un petit pouce bleu, un commentaire. Voilà. Franchement, je suis un peu vénère parce que 100 balles, c'est quand même 100 balles. Mais bon, vas-y.